Michel, merci. Jean-Marc Bertrand, Pascal Vidéon, président. Cédric Chalon, président. Daniel Parjan, président. Chérie Gère, président. Alain Dupuis, président. Jérôme Tigalard, des Bouvins, monsieur Largent. Michel Gérard, président. Mathilde Berthier, président. Alain Cousin, président. Nathalie Lyon, président. Patrick Corret, président. Marion Rochard, président. Patricia Buy, président. Guillaume Baudin, président. Marie-Anne Ballet, présent. Nicole de Bise, présent. Olivier Rada, présent. Elisabeth Plagnan, présent. Jérôme Gérardet, Marius Chavani, présent. Jérôme Tournier, il doit Al Rabois de l'Épouvoir, M. Adjab, Pascal Beauchamp, présent. Mohamed Adjab, présent. Donc, le corps de l'Épouvoir, la séance est ouverte. Vous avez reçu le procès verbal de la dernière séance. Il y a des questions, des observations. Pas d'observation sur le procès verbal de la séance du 4 avril 2016. Il est donc adopté. Je propose que le secrétaire de séance, M. Bonnat. Pas d'opposition, il est nommé. Nous allons donc procéder au tirage au sort de la liste des membres du jury d'assises que nous faisons chaque année. Nous tirons les pages et les lignes. Alors. Page 278. Ligne. Ligne 10. Il faut tirer là, parce que cette dame est gravataire. Alors, on tire une page. Ah non, on va faire une page. Ah bon. Alors, une 4. 1, 2, 3, 4. Alors, madame Lafont Jocelyne et Jacqueline Françoise, épouse Guyère, Montalal d'Or, oui. Oui, madame, il monte à la nourriture. Alors, qui est-vous ? La fonge Jocelyne. La fonge Jacqueline. Ah, Jacqueline ? Non, la fonge Jocelyne, Jacqueline Françoise. Ensuite. 377. Bon, c'est les 15 noms. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur Michel Place, Lassar, Amour de Thierry, qui est-vous ? Ensuite, et vous avez marqué, donc qu'est-ce que vous avez ? Ah bon ? Je vais tout faire. 358. 358, ligne. Allez, ligne 1. Charles-Édouard Payen-Lagarandré, 3 rue Jean-Merle, à Tizy. Et ligne 4. 1, 2, 3, 4. Monsieur Bougemaa, Imaalay. C'est 2A. Imaalay. 11 rue Jules Verne à Bordeaux-Tizy. Page 70 et ligne 3. Bresse et Chantal Marie, épouse Baptiste, 3 rue Saint-Roch. Page 90. Ensuite, ligne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catena, Loïc, Serge, 19 rue Père à Frère. Ensuite, 459. Et ligne 4.
1, 2, 3, 4. Barlet, Jean-Claude, Joly, Barleur. Marie-Adeline, le croisin un peu. Ensuite. H92. Et ligne 3. Et il sera tiré au sort tous les jours. Page 238. 238 ? Oui, 238. Et ligne 1. 238. Graïmoni qui épouse Vincent, rue du docteur Schweitzer à Tizé. Ensuite. 368. Ligne 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Pécher, P-E-S-C-H-E-R, Alexandra Marie Reine Marcel, épouse Blacher, va rue Simone de Beauvoir à bord de Philippe Tévinéto. Ensuite. Page 254. 254. Ligne 4. 254. 1, 2, 3, 4. Keitia Amash, H-A-2-0-C-H-E, 3 rue Pierre-Poisin, bord de Tivoli. 1. Oui. Les changements de bureau, c'est dur. Page 457, c'est le dernier. Ah, c'est bien. 457, et ligne 9. Valère Robert Alexandre, quartier d'Ouvillier, Tizy. Encore un. H143. Et ligne 2. Suzanne Hélène de Saint-Jean épouse Melton à Montfournel à Beaudetis. Pays du jury criminel est donc proposé pour cette année. Enfin, pour tout du coup, elle va aller à Lyon et la commission présidée par le représentant du premier président de la Cour d'appel, pour ce grand tirageur, et elle constituera le jury criminel de la Cour qui sont quasi permanentes maintenant. Beaucoup de tirages au sort tout au long de la vie. Alors, le rapport suivant est relatif au financement des opérations que l'on a vues en partie dans de la séance relative au projet à venir. Vous savez que si l'État diminue les dotations qu'il accorde aux collectivités territoriales, le Covid n'a pas été touché encore, mais l'État a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de revenir sur le terrain et d'aider au financement des projets des collectivités locales. Pour ce faire, la Caisse des dépôts et consignations
qui est un financier de l'État depuis 1816, date de sa création par Louis, ministre des Finances de Louis XVIII, a mis en place plusieurs instruments. On aura un instrument particulier puisqu'elle va conclure avec les 54 communes bourg-centre qui ont été sélectionnées par l'État l'année dernière, dont des contrats spécifiques. On reviendra donc devant le Conseil avec ce contrat quand il sera prêt. Aujourd'hui, c'est un autre instrument dont il s'agit. La Caisse des dépôts et consignations met en place des prêts à taux zéro, c'est-à-dire prêt d'une somme sans intérêt, ce qui est très intéressant, bien entendu. Pour l'instant, la Caisse des dépôts a accepté de prêter à la commune pour deux projets, deux prêts pour la salle de Marmont, dont les travaux commenceront à la rentrée, à la fin de l'année, et pour le centre aéré, CNSH, pour utiliser déjà un peu quelques pratiques, que l'on termine à Jeanne-Marc. Il y en a 800 000 pour Marmont et 700 000 pour l'école Jeanne-Marc, 1 500 000 remboursables en 20 ans, soit 75 000 euros par an, sans intérêt et quasi subvention. Et je rappelle que chaque année, nous avons une capacité d'économie hors remboursement actuel de la dette, on verra tout à l'heure, de plus de 500 000 euros. Donc on n'a pas de problème de ce point de vue. Je pense que c'est une très bonne affaire pour l'économie, de ne pas être aux euros. Surtout qu'en 2018, nous aurons une baisse très sensible du remboursement de la dette. Donc on aura 80 000 euros de moins payés chaque année en 2018, donc 75 000. On va rester au même niveau de remboursement de la dette qui nous dirait l'ordre de 250 000 euros par an sur un total de crédit budgétaire de l'ordre de 8 millions d'euros si on ajoute les deux sections du budget. Voilà, donc je vous propose que nous souscrivions ces deux prêts dont nous avons besoin et plus un très très bon financement. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Y a-t-il pas de questions, pas d'interventions, qui vote pour? Alors, vous êtes pour ou pas, M. Adjane? Moi, je suis pour. Eh bien, c'est bien, vous êtes pour. Et qui est contre? Qui s'abstient? Les taux à moins cher, taux zéro, c'est pas très facile à trouver. Hein. Mais vous avez raison de ne pas voter. Il y en aura bien un jour à 15%. Et à ce moment-là, vous pouvez voter. Alors, Monsieur Largent, rapport suivant, décision modificative numéro du budget, c'est simplement prendre en compte les deux prêts qui viennent d'être votés. Il s'agit de prendre en compte dans le budget primitif les deux prêts qui viennent d'être votés. Donc en recette, vous avez le tableau, là, en recette, on a l'emprunt de 700 000 pour le centre de loisirs et 800 000 pour la salle de Marlan. Et on a une DETR, ah oui, on n'en a pas parlé, une DETR de 213 000 pour la salle de Marlan. Donc ça, c'est en recette. Comme il faut présenter les choses en équilibre, en dépenses, on va mettre sur les travaux en cours du centre de loisirs 100 000. Sur la requalification centre-bourg, 500 000, sur le foyer résidence de 2100 000 et sur la salle de Marmont, 1013 euros. Donc, 1 013 000 euros. Donc, les recettes, je rappelle, ce sont les deux prêts que vous venez d'adopter, et il y a en plus une subvention que l'État vient de vous accorder pour la salle de Marmont de 213 000 euros. Y a-t-il des questions sur le rapport que vient de présenter M. Largent? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont d'avis d'adopter? Qui est pour? Je rappelle que c'est les deux prêts qu'on vient d'adopter. Oui. Et puis une subvention en plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, nous allons passer à l'examen des comptes administratifs 2015. Je rappelle la règle. M. Largent va présenter les rapports, ensuite, je dirai quelques mots, il y aura un débat, et ensuite, quand le débat sera terminé,
le doyen d'âge vient d'apprendre le président, et je vais revenir, après que sous la présidence du doyen d'âge, il ne peut pas y avoir de débat. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser à l'ordre. Monsieur Langeon, vous avez la parole. Alors, donc, s'il s'agit d'approuver les comptes administratifs 2015, du budget principal et du budget annexe. Le compte administratif permet de connaître les réalisations, recettes et dépenses effectuées. Il s'agit d'approuver les comptes de l'année 2015. Le compte administratif permet par ailleurs de dégager les équilibres financiers de l'exercice. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312-1 et suivants et L2313, L2321 et suivants, vu les conditions d'exécution des budgets 2015, il est proposé au conseil municipal d'adopter les comptes administratifs arrêtés comme suit. Alors, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les crédits ouverts étaient de 7 106 871,97 et les réalisés étaient de 5 394 732,32. En recettes de fonctionnement, le total des recettes ouvertes était de 5 879 890 075 et réalisé 6 206 779,70 €. Ce qui nous fait un résultat de fonctionnement 2015 de 812 047,38 €. À cela, on ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de l'année, des années précédentes, 1 226 980,22 €, ce qui nous donne un excédent de clôture de 2 039 028,60 €. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les dépenses d'investissement, les dépenses crédit ouvert, 5 472 120,50 €, réalisé 3 095 361,11 €. Les recettes d'investissement ouvertes 6 201 230,14 € et réalisé 2 796 928,03 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement 2015 de -298 433,08 €, et un déficit d'investissement reporté des années antérieures était de -729 109,64 €. Les restes à réaliser sont de -151 744 000 €, ce qui nous donne un déficit de clôture d'investissement de 1 179 296,72 €. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions à poser, M. Lachard, avant qu'on passe aux autres budgets? Moi, je voudrais simplement dire quelques trois mots sur le budget principal. Si vous regardez l'exercice 2015, en laissant tomber les restes à réaliser, qu'on reprendra dans le budget supplémentaire et qu'on ne vote pas aujourd'hui pour des raisons simples, c'est que si nous avons une réponse de l'État sur la demande de subvention au titre de la dotation à l'équipement des territoires ruraux, nous attendons d'autres réponses de l'État, comme elles vont arriver, et de subventions. Donc ce n'est pas la peine de tout mélanger, il y aura un budget supplémentaire qui reprendra la décision modificative que vous venez d'adopter, qui reprendra aussi les restes à réaliser, qui seront modifiés par les subventions que nous aurons reçues, puisque nous attendons trois subventions de l'État pour faire face à nos dépenses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui, sur l'exercice 2015, un excédent net disponible d'un peu plus de 500 000 euros. Vous avez 800 000 euros d'excédent de fonctionnement, ce qui est assez remarquable, c'est bien quand même. Ça n'a pas l'air de passionner les foules, mais pour économiser 800 000 euros, c'est quand même un vrai effort d'effet. Alors ça vient de plusieurs points, notamment les recettes ont augmenté, c'est évident.
Et nous avons très certainement 258 000, donc on a un peu plus de 500 000 euros nets disponibles au titre de l'exercice 2015, et nous avons 498 000 euros nets disponibles au titre des exercices antérieurs. Il suffit d'ailleurs soustraire de 1 226 280, 7 729 164, et vous aurez les disponibles un peu plus de 491 000 euros, ce qui fait 1 million d'euros nets disponibles pour faire le budget supplémentaire. Sur ce million d'euros disponibles, il faut rajouter les recettes qui viennent d'être inscrites au titre de la décision modificative, les deux emprunts, la DETR, il faudra rajouter les subventions que l'État nous accordera probablement d'ici que nous votions ce budget. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais vous avez vu aussi que nous avons beaucoup de choses à financer. La première chose que nous avons essayé de financer, c'est la résidence autonomie. Dans son propriétaire, nous avons payé le bâtiment et la propriété sur la propriété communale. On est en phase de choix des architectes, c'est une procédure assez longue, mais on va la respecter, et à partir de là, on va financer tout cela. On financera comment cette résidence autonomique? Il faut qu'il y ait des fonds propres, soit originaires de subventions, soit originaires d'économies de la commune. Le prix de location, on le connaît, c'est à peu près 700 euros par mois pour un 2 pièces, légèrement plus. Donc il faut qu'on recherche toutes les subventions possibles. Actuellement, nous avons questionné les caisses de retraite complémentaires, et les caisses de retraite régime général et régime particulier, qui commencent à nous répondre pour nous aider à financer cette résidence. On peut avoir éventuellement un maximum, mais si nous avions, ce serait parfait, 800 000 euros de caisse de retraite, 22 000 euros par appartement, 40 appartements, et par 22 000, ça fait 800 000. Mais il y a d'autres ressources, il y a nos économies, en partie, il y a d'ores et déjà une subvention annoncée de l'État de 300 000 euros, donc l'idée c'est d'avoir au moins 1 million d'euros de fonds propres pour faire en sorte que la part financée par l'emprunt soit telle qu'on puisse financer sans subvention d'équilibre, au moins possible, de la commune, la résidence autonomie, en louant un prix raisonnable de 700 euros par mois, couvrant l'ensemble des dépenses de la personne qui est là, sa location, aussi chauffage, électricité, eau chaude, et comme cela se fait dans la résidence de la commune voisine. Voilà le but poursuivi, et c'est donc le premier financement que l'on mettra en place, et le reste ne servira aux autres projets et centres-bourgs que vous avez vus précédemment. Voilà donc ça. Alors, depuis qu'on a fait la commune nouvelle, vous avez vu qu'on a fait des efforts de gestion importants. On est resté toujours à peu près au même pourcentage de charges de personnel parmi les dépenses de fonctionnement. On est, grosso modo, à 40%. Entre 50 et 40, on devrait... Alors, bon, ça dépend comment on compte, est-ce qu'on compte brut, net, mais on est à peine à 40%, ce qui est beaucoup, mais ce qui est trop fort à ce que font toutes les communes. On est déjà en dessous des normes dans ce domaine. Et c'est cet effort d'économie qui nous a permis cette année de faire cette économie très substantielle. Je ne sais pas, on ne pourra pas la faire de façon, parce qu'en une année, on a économisé autant que les 2 années précédentes. Donc, on va faire tous les temps, c'est là. Mais voilà ce que je souhaitais vous préciser avant de vous laisser la parole. Qui souhaite prendre la parole? Oui, j'en prie. Oui, je voulais juste rajouter qu'on a fait quand même des économies, mais ça ne nous a pas empêché d'investir. Ici, dans cette salle, mais on pourrait citer les 2 salles de sport, on pourrait citer les salles qu'on a refaites à la chapelle de Marbeur, les écoles, etc. On va d'ailleurs faire un petit opuscule marquant les travaux qui ont été faits depuis le début du mandat sur toutes les communes déléguées de la commune de Tizy.
Y a-t-il d'autres questions? Plus on fait l'économie, plus on peut investir. Ah, ça c'est vrai, c'est là. On n'a pas bien trop faire, et moins on dépense, plus on gagne. Il y a quelques aphorismes comme ça qu'on peut trouver, hein, et des excellents. Mais après, il faut aussi la part d'informatique. D'autres questions? D'autres remarques? N'est-ce qu'il n'y en a pas? J'invite M. Chevalny à prendre la présidence de l'Assemblée. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2312-1 et suivants, et L2313 et L2331 et suivants, vu les conditions d'exécution des budgets 2015, il est proposé au Conseil municipal d'adopter les comptes administratifs 2015, arrêtés comme suit, hors de la présence de Monsieur le Sénateur Maire. Pour, contre, abstention. Compte administratif adopté. Je voudrais féliciter et remercier Monsieur le Sénateur Maire, Daniel Largent, Sylvie Peuillon et d'autres, qui s'occupent journalement des finances de la ville et ont permis une gestion serrée concernant le fonctionnement, mais efficace, comme a dit Daniel, qui permet des investissements, donc des réalisations en 2015, et d'envisager pour les années à venir d'autres réalisations très importantes. Donc, il faudrait que cela continue, sans trop s'emballer. Merci. Monsieur l'adjoint à la sécurité, voulez-vous aller chercher monsieur le sénateur maire vous enlevez les monotes. Et bien passons au suivant. Vous avez tout adopté, tous les comptes administratifs. Alors, en ce qui concerne le commerce de Marbeur, les dépenses de fonctionnement, on avait ouvert 78 750,04 € et on a réalisé 47 937,84 €. Les recettes de fonctionnement, on avait ouvert 56 400 et on a réalisé 55 779,17. Il nous fait un résultat de fonctionnement en 2015 de 7 841,33. Les excédents reportés sont 22 350,04, ce qui nous fait un excédent de clôture de 30 191,37. En ce qui concerne l'investissement, on avait ouvert 72 090,44, on a réalisé 37 870,21 en matière de dépenses. En matière de recettes, on a ouvert 48 780,04 et on a réalisé 44 033,98, qui nous fait un résultat d'investissement positif de 6 163,77. On a des excédents reportés de 23 310, on a des restes à réaliser de 5 000, donc ce qui nous fait un excédent de clôture de 24 474,17. On peut passer au lotissement Les Pierres Plantées, Les Hauts de Montfillon. Dépenses de fonctionnement ouvert 760 267,17, réalisé 760 267,17. Recettes de fonctionnement ouvert 707 611,39, réalisé 707 611,39. Le résultat de fonctionnement est donc de moins 52 655,78, comme l'excédent reporté de 2019 était 52 655,78, ça nous fait un résultat de clôture de zéro. Les investissements, on avait ouvert 770 736 et on a dépensé 770 735,40. Les recettes d'investissement, on a des crédits ouverts pour 770 736,41, on a dépensé 770 735,40. Voilà. Merci.
Merci. Y a-t-il des questions? Le chevalier, vous formez bien. Oui, il me semble que j'avais dit d'approuver les comptes administratifs. Bon, il me semble. Les comptes plus de sécurité. Bon, alors je vous propose à nouveau d'adopter les comptes administratifs concernant la commerce de Nardor et les pierres plantées et les hauts du Montfilet. Alors on recommence pour. On prend les mêmes comment. Contre. Et abstention. Donc ça vous dira bien. Je vous remercie d'adopter ces budgets. Passer maintenant au compte de gestion du receveur qui reprend exactement les comptes administratifs qui viennent d'être adoptés à la majorité. L'argent. Les chiffres sont exactement les mêmes, donc en considérant que les comptes de gestion appel aux une observation et plus en état, on peut passer au vote directement. Alors, qui est pour? Contre? S'abstient? 4. Très bien. Ensuite, un moment au marché de travaux pour le relais d'assistance maternelle. Monsieur Largent, vous avez la parole. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics, notamment l'article 20, vu la délibération en date du 25 juin 2015 approuvant le projet d'aménagement d'un relais d'assistance maternelle, considérant qu'après signature du marché relatif aux travaux d'aménagement d'un relais d'assistance maternelle, les suggestions techniques imprévues sont apparues et rend nécessaire la passation des avenants suivants. Alors pour le lot 1, on a un avenant hors taxe de 7557,58 qui représente 7,92% du lot. Pour le lot métallerie, on a un avenant de 50 euros. Qui au moins. Ah, au moins. Au moins. Donc ça fait un pourcentage de moins 0,45. Pour le lot 3, menuiserie intérieure et extérieure bois, on a moins 22,50 qui nous fait moins 2,36%. Le lot 4, plâtrerie, peinture, faux plafond et sol, on a un avenant de 830,80 qui représente 2,39%. Le lot électricité, on a un avenant de 997,52 euros, ce qui représente 5,49%. Et le lot 6, chauffage, ventilation, plomberie, on a moins 1316 euros, ce qui représente moins 4,80%. Le montant global de l'opération est donc porté de 217 170,83 à 224 468,23, qui fait une plus-value d'un montant de 7 297,40 euros en taxes, qui fait 3,36% du montant du marché. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, juste sur le rame en lui-même, c'est quand même un lieu qui est assez fonctionnel pour les petits. J'ai eu l'occasion de ne pas l'inaugurer, mais d'y aller avec mon fils qui est fait l'anglais le samedi. C'est vrai que c'est pratique, c'est neuf, c'est à côté de la crèche, donc pour les assistantes maternelles. N'hésitez pas à dire, c'est une belle réalisation municipale. J'ai jamais hésité à le dire comme je pensais. Mais vous le savez, j'ai jamais hésité à dire ce que je pensais. Et voilà, je l'ai dit. Et quand je suis pas d'accord, je l'ai dit aussi. Je crois que c'est une belle réalisation qui marche bien. Et c'est bien, on a failli l'inaugurer, mais personne n'était libre le jour où vous avez fixé. Un autre moment. Y a-t-il d'autres questions? Je vais au le rapport bien présenté, M. Larchand. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, les bonnes absences. Comment? J'aurais les bonnes absences et les bonnes absences. J'ai pas voté avec les bonnes absences. Chacun a le droit de voter d'une banque. Une abstention.
Nous allons passer au rapport suivant. Maintenant, marché de maîtrise 2 pour le centre de loisirs sans hébergement, de la centre aéré. Les travaux sont d'ailleurs terminés également et il sera à fonctionner la semaine prochaine. C'est aussi une très belle réalisation. Et on pourra comment pour aller. Voilà. L'argent, vous avez la parole. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics et notamment l'article 20, vu la notification du marché de maîtrise de l'ordre du 9 mars 2015 avec le cabinet Pierre Durcor et la société architecte, considérant qu'après signature du marché relatif à la maîtrise 2 pour l'aménagement d'un centre de loisirs sans hébergement, il a été intégré dans le marché initial une mission de conception et de réalisation de l'équipement cuisine, une mission de maîtrise d'œuvre suite à l'attribution et à la réalisation de deux tranches conditionnelles. Le marché de maîtrise d'œuvre initial s'élève à 94 500 euros hors taxes. Le nouveau montant total d'honoraires est de 101 249,03 euros hors taxe. Le montant de l'avenant est donc de 6 749,03 euros, soit une augmentation de 7,14% par rapport au marché initial. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je mets au voie le rapport présenté par M. Largent, qui est pour. Alors. On en a un autre dans le. Dans l'ensemble des loisirs aussi. Et bien présenté, M. Largent. Alors, vu toujours, vu que le général des collectivités territoriales, vu que des marchés publics, vu la découverte. Donc, après, on a les avenants, franc-maçonnerie. 24 398,15, soit 7,83%. Pour les charpentes couverture, moins 641,75, soit moins 1,66. Pour la menuiserie intérieure et extérieure, 14 230,84, soit 10,79. Pour la plâtrerie peinture pour plafond et sol, moins 1751,31, soit moins 1,13%. Le carrelage et faïence, les ascenseurs 560, soit 2,68%. L'électricité et les transports 3205, soit 3,91%. Et chauffage ventilation, moins 734, soit moins 0,64. Le montant global de l'opération est donc porté de 894 377,40 hors taxe à 933 643. 1,87 euros portage, ce qui nous fait une augmentation de 4,39%. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est un chantier un peu difficile à faire parce que c'est des reprises en ce moment, qui n'était pas facile du tout. Et vous avez eu un certain nombre de problèmes, notamment de toiture, et vous avez fait du rouger, et puis faire une sortie de secours supplémentaire. Ce qui explique les 24 000 de. Puis il y a eu aussi la DVG climatisation mineure, oui, qui a été difficile. On a enlevé les arbres qui poussaient dans le mur soudainement. Il y a eu une grande décoration pour faire. Entreprise équilibriste. Et puis dans le mot, donc, le ministère, c'est surtout les mains courantes qui ont été demandées, puisque les mains courantes, normalement, c'est un état d'homme maintenant. Et pour les petits, on a été obligé de rajouter partout les mains courantes à 1000 euros. Maintenant, les deux mains courantes, ça va être obligatoire. C'était pas prévu, mais c'était rajouté un petit peu. Et puis, l'assainissement avec le rocher dans la cour. Les travaux sont terminés, la cuisine est installée, le centre social, aidé par les employés communaux, est en train de prendre possession des lieux. C'est la mairie qui a transporté les meubles, les chaises, tout ce qu'il a transporté. Je crois que c'est une belle réalisation. Ça va permettre aux familles d'avoir un centre aéré qui soit ouvert, et ça, dans le cadre du centre social, également au mois d'août. Je tenais particulièrement parce qu'il y a des enfants de la commune qui ne partent pas. Il y a de vraies activités. En août, on sera ouvert en juillet et en août.
Y a-t-il des questions? Oui. Je vous en prie. Juste sur le lieu, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, on aura tous l'occasion d'y aller parce que j'espère bien trouver une date qui connaît dans le. J'irai le 6 juillet, sûrement. J'irai le 6 juillet, de toute façon, avec mes enfants. Mais oui, bien sûr. Je vais juste avoir. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps du 6 juillet. C'est le 6. Ça ouvre le 6. Oui. Mes enfants sont inscrits le 6, j'irai. Je vais juste. Il y aura un lieu pour les petits, un pour les moyens. Non. Un pour les petits, un pour les grands. Les 3-6 et les 6-12. Ah oui, enfin, moi j'ai pas les 6-12 les moyens, mais voilà, oui. D'accord. Alors, il y aura deux salles à manger. D'accord. Il y a deux salles à manger. D'accord. Il y a une salle à manger pour les petits, une salle à manger pour les grands. Il y a des salles de repos pour les petits, des salles de repos pour les grands. Il y a une salle d'activité quand il pleut, puis séparée pour qu'on puisse accueillir l'ensemble et qu'on puisse les accueillir également. Pour les petites vacances. Oui, ça c'est très important. Pour les vacances de Noël, pour les vacances de mars, de février. Et le mercredi à midi, et le mercredi après-midi. Donc là aussi, c'est une belle révolution municipale. On travaille bien avec le centre social. Je rappelle qu'on lui accorde une subvention extrêmement forte, plus de 420 000 euros cette année. Beaucoup, bah, envisager de diminuer cette subvention. Donc, je dis, on n'a pas envisagé de diminuer. Et c'est vraiment pour nous l'opérateur social principal. C'est bien aussi qu'ils sortent du milieu scolaire. Pour les enfants, ça fait un vrai changement. Ils ne sont plus à l'école, ils sont dans un autre espace, dans une autre ambiance. Ça va nous permettre surtout d'entretenir aussi les bâtiments scolaires, et notamment cette année, où l'orage de la semaine dernière a causé beaucoup de dégâts, j'en parlerai tout à l'heure, dans les bâtiments communaux, et notamment à l'école Joseph de Pierre. D'autres questions? Oui. Simplement une remarque par rapport à ce centre. Bon, ça sera très bien pour les enfants, c'est sûr qu'ils sont dans un cadre attrayant, mais ça sera très bien aussi pour toute l'équipe d'encadrement qui pourra laisser à demeure le matériel. Parce que, aussi bien à la salle Boudier qu'à l'école Joseph Despierres, il fallait sans arrêt mettre des verres, donc c'était difficile de faire des parcours, une organisation, disons, rationnelle. Donc je pense que ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. D'autant qu'il y avait. Justement, une matinée qui n'était pas disponible d'ouverture pour pouvoir. C'était l'organisation matérielle, c'est pas possible de faire autrement alors que là, ça sera plus actuel. On aura bien sûr le reste du bâtiment qui ne sera pas affecté social. On ne peut pas tout donner. Il est probable d'abord qu'on en reparlera avec l'épicerie sociale à la demande de ses responsables à s'installer là-haut. Pour qu'on puisse utiliser la cuisine, pour faire des cours de cuisine, c'est ce que souhaite faire Mme Berthier, ce sera très bien, parce que je crois qu'on a, avec l'épicerie sociale, beaucoup à faire pour apprendre aux gens à faire de la cuisine simple, et pas acheter des plats tout cuits, c'est tout préparé, mais apprendre à faire un potage, une soupe, tout simplement, plutôt que d'acheter une boîte de soupe, c'est quand même autre chose, et pour cette raison-là, c'est bien sûr la commune qui a payé tous les équipements, mais c'est aussi la commune qui va garder tous les abonnements à l'électricité, à l'eau, au gaz, pour pouvoir tous les fluides, pour pouvoir avoir d'autres activités dans le bâtiment. On va regarder également dans les petites immeubles, quand on regarde dans la cour vers la sortie, un petit immeuble qui a plein d'étages. On va regarder et si tout qu'on fait, ce n'est pas là, il faut qu'on installe les médecins et à terme de l'hôpital, puisque normalement, l'acteur du CHU de Saint-Étienne nous avertit que deux internes pourraient venir chez nous l'année prochaine. Donc, il faut qu'ils logés, dans le premier temps, on les logera soit à l'hôtel, soit hier, et ensuite, il faut qu'on puisse les loger, peut-être là, on va faire des petits studios corrects et pas trop chers. D'autres questions? Oui, en fait, sur le centre scolaire, en fin de compte, est-ce qu'il va y avoir une navette en fin de compte pour le mois estival?
Je crois que chaque année, il y a un ramassage par centre social. Depuis que le centre existe, il y a un ramassage. Ça ne va pas changer, il y aura un ramassage comme l'année dernière, tous les deux ans, il y a trois ans. La navette, elle est forcément là, mais sans. C'est ça, mais c'est pas aussi tout, mais c'est un changement. D'autres questions? Pas d'autres questions, je vais devoir le rapport présenté par M. Largent. Quels sont ceux qui sont d'avis d'adopter? Qui est pour? Qui est à l'unanimité? Je vous remercie. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le rapport suivant a pour objet de fixer la participation de la commune de Tizy-les-Bourgs à la revitalisation du centre-bourg et dans le cadre de la convention que nous allons passer avec l'ADA. Vous avez vu que 141 appartements sont concernés, c'est ce que je vous ai montré, et que sur ces 141 appartements, il y a encore plusieurs catégories. Il y a d'abord l'habitat indigne et très dégradé. 48 logements qui ont été repérés, mais bien entendu, on ne met pas l'adresse exacte parce qu'on pourra changer suivant la position que prendront les propriétaires. Et c'est sur ce point-là, d'ailleurs, que nous pourrons utiliser les pouvoirs que donne la loi pour exproprier. Sur ces logements-là, s'il y a refus de faire le travaux par les propriétaires, il sera possible d'exproprier et d'engager les travaux. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie, traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Hein, c'est des logements qui sont possédés par deux personnes dans un même immeuble, à peu près. Mais, ensuite, maîtrise de l'énergie et lutte contre la précarité énergétique. Nous avons pensé que 63 logements pourraient être concernés. Et enfin, on pourrait naturellement aider à maintenir les gens chez eux en luttant contre la perte d'autonomie dans l'habitat, en faisant des aménagements internes, une rampe, etc. Alors, une subvention, participation de l'île de Tilly, elle est prévue pour chacune de ces catégories. La plus forte, c'est pour l'habitat à l'île dégradé. Un total de 220 750 euros est prévu. Ensuite, pour lutter contre la précarité énergétique, parce que nous payons d'assez nombreuses factures de consommation d'énergie électrique ou de gaz, celles de ceux d'entre nous qui siègent au sein du comité communal d'action sociale de Montréal, à chaque séance, on a des factures à payer. Et donc, il vaut mieux faire des travaux pour que les gens consomment moins plutôt que de chauffer l'air et de devoir payer les factures après. Donc là, c'est les deux grosses, deux gros points sur lesquels on va agir, et les deux autres, bah, c'est un peu moins, les copropriétés des familles, nous avons beaucoup 6 000 euros, et la lutte contre la perte d'autonomie sur les plus petits travaux, 47 250 euros. C'est donc une somme de 421 375 euros que je vous propose de bien vouloir voter et qui seront la participation la ville de Tizy-les-Bourgs à cette opération de rénovation du centre-ville. Il y aura une participation de l'ANA de 2 300 000 et quelques mille, une participation d'accord qui sera égale à ce que l'accord fait sur tout le territoire dans le cadre du PIC et que gère pour l'accord à la ville de Montréal. Et il y aura en plus, pour les habitants de Tizy-les-Bourgs, une participation de 421 000 euros de la commune pour que ce soit vraiment incitatif et qu'on puisse faire des travaux dans le centre-ville. Alors, vous verrez, en ce moment, ils sont faits. Par exemple, vous avez vu Père un frère, hein, juste en face de la pharmacie, un immeuble qui est en train d'être rénové. Il y en aura d'autres. Donc, il faut qu'on continue ce travail parce qu'on a trop de logements inoccupé et il faut y mettre forme. Et pour moi, c'est une politique qui est essentielle. Si on veut garder la population dans le centre-ville, sinon les gens partent tous un peu dans les zones pavillonnaires
Le PLU ne va plus prévoir très peu de zones pavillonnaires parce que la loi Grenelle s'y oppose. Donc il faut reconquérir les centres-villes, et c'est l'objet de cet avis Boursin et de cette convention avec l'ADA. Y a-t-il des questions? Oui. Non, juste une observation. Et dans le sens que vous venez dire, monsieur le maire, c'est vraiment une vraie chance pour Tizi-Dubourg. Dans les 6 ans à venir, dès que cette convention va être signée, on voit les autres communes du territoire, les 34 communes auront des crédits, bien sûr, des crédits d'accord, des crédits d'ADA, des crédits du FARC, enfin, etc. Bon, on est bien content, cette convention va satisfaire tout le monde. Mais là, pour nous, c'est une vraie chance de certains crédits que va accorder la commune de Tizi-Dubourg va pratiquement doubler sur cet impôt, notamment pour la Victorinville, ce qu'auront les gens du territoire, de l'ensemble de l'âge du territoire. Donc vraiment, c'est une vraie chance pour 6 années, il faut vraiment en profiter, parce que voilà, je pense que ça peut inciter aussi bien les occupants que les bailleurs à faire les travaux. Voilà. Merci. D'autres interventions, d'autres questions plutonnées? Juste les logements, ils sont déjà identifiés, ça va être simple aussi. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un nombre de logements. Oui. On en a bien sûr identifié un certain nombre. Oui. Plus, d'ailleurs, que ce chiffre-là. Oui. Et on ne les a pas cités dans la convention parce que ça va dépendre aussi de l'attitude des propriétaires. Et il faut qu'on se garde une liberté, mais on sait qu'on peut faire 48 logements très dégradés, 63 logements ils sont tous repérés, plus, mais ils ne sont pas cités, parce qu'il y en a qui se feront, d'autres qui ne se feront pas. On reste bien sur le centre. Ah, tout à fait. Oui, tout à l'heure. Le centre, quoi. Enfin, tout à l'heure, on a montré le périmètre. Non, mais ça ne reproche rien. Mais il y a un périmètre de revitalisation qui est prévu et qui a été montré au Conseil dans la première partie de la séance. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Si j'ai bien compris, c'est pour la commune, Lyon, pour son lequel? Oui. D'accord, on n'a pas de chiffre parce que c'est le même chiffre que d'habitude pour tout ce que fait l'accord. Je dois d'avoir ce point-là sur ce que fait l'accord. Oui, c'est ça. Non, mais je ne sais pas. On les a là. Derrière, voilà, l'accord va. L'accord va mettre 117 500 sur l'habitat indigne, voilà, 94 000, je donne le détail, sur la précarité énergétique, 34 500 sur l'autonomie et 6 000 sur les copropriétés. C'est-à-dire que là où la commune met 421 375, l'accord met 252 950. Voilà, au total, 2 320 075 euros de subvention. C'est quand même très important. Si on arrive à mobiliser suffisamment, c'est quand même assez énorme. Plus de 2 millions d'euros, même 2 millions et demi d'euros, c'est quand même quelque chose qui doit laisser des traces dans D'autres questions? Pas d'autres questions? Je mets aux voix le rapport que je viens de présenter. Quels sont ceux qui sont d'avis d'adopter? Qui est pour? Adopter à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, monsieur Largent. Alors, c'est les subventions aux associations. Le conseil municipal fixe chaque année les contributions apportées aux associations. Il marche quand même quelques états. Ouais. Après examen en commission des finances. On peut peut-être tout mettre tout au parleur parce que je ne suis pas sûr que ça dépasse 3 personnes. Après examen en commission des finances du 27 juin dernier, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer les mêmes temps. Je baisse le son. La molette. Quel lieu vous allez arriver? Il est précisé qu'il est proposé au membre du Conseil de fixer le montant de subvention au titre de l'année 2016, conformément au tableau joint en annexe.
l'enlever, tout à l'heure, je ne vois pas. Alors, il est précisé que les subventions attribuées aux écoles de la commune de Tizy-les-Bourgs sont harmonisées afin de pallier les disparités et les changements. Cependant, chaque demande... Chavani, ferme ton micro. Cependant, chaque demande de subvention présentée en cours d'année liée à un projet d'activité scolaire sera étudiée par la municipalité. Alors, les attributions seront dans les seuls domaines de compétence de la commune. On a harmonisation pour les associations identiques dans les communes déléguées et on restera ouvert à toute demande de ce projet d'animation pour la vie de la commune. Alors, en plus, un courrier sera adressé à chaque association afin de lui demander les statuts, la composition du bureau et un relevé d'identité bancaire en cas de modification, le programme prévisionnel 2016 et le bilan 2015. J'ai rappelé que le versement effectif de la subvention sera conditionné par la production de ces documents. Alors, vous avez la liste. Je dois vous la lire ou... Non. Alors, est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Tournier. J'ai bien compris qu'on harmonisait les subventions aux associations par modèle, mais je compte un certain nombre d'associations de boules. Oui. Et c'est pas prévu de les harmoniser, là, parce qu'il y en a qui ont 300 euros, 250 euros, je ne sais pas pourquoi. On compte 6 en 500, enfin, je ne sais pas. C'est au nombre d'adhérents. On ne comprend pas bien. Monsieur l'argent, je vais répondre. Là, on a commencé l'harmonisation, mais pour les boules, on ne l'a pas encore fait. D'accord. Il faut quand même un peu concerter avec les... Ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est d'abord de ne pas diminuer les subventions. On a recentré la commune sur ses compétences, alors lorsque c'est le département de la région qui est compétent, on a laissé faire le département de la région. Autrement, on a aidé les associations locales. Alors on va essayer d'harmoniser, plus ou moins, parce que l'histoire est là. Pourquoi il y en a qui ont plus, pourquoi il y en a qui ont moins, on n'en sait rien. C'est un peu comme ça, parce que ça tomberait comme ça. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas très clair. Alors les boules, ça doit être dans le sport, je pense. Dans le sport, il y a l'aide à domicile. Non, c'est en dessous. La boule de mardeur, elle n'a pas 100 euros parce qu'il n'y a pas de boule de mardeur. C'est la pétanque plutôt. Ah, bah oui, c'est vrai, il y a une boule en wheelchair. Oui, il y a la pétanque du mardi. Donc, la moitié, c'est le mardi. Ils sont très nombreux, mais honnêtement, ils ne demandent rien. Parce qu'ils sont entre eux, c'est ludique, et chacun met un peu d'argent pour payer un casse-croûte, et c'est ludique. Mais pour certains, avoir la subvention, c'est aussi une forme de reconnaissance. On n'est pas sûr d'une utilité profonde de la subvention. C'est pourquoi je n'avais pas alors que les autres en ont. Oui, mais si on est dans un souci d'harmonisation... Oui, bah, il faut qu'on harmonise. Oui, mais on va le faire sur plusieurs années. On ne peut pas du jour au lendemain tout casser. Ouais, moi, j'ai ressenti comme ça. L'argent a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, par exemple, on a essayé d'harmoniser les sociétés de chasse cette année. Mais harmoniser les sociétés de chasse, ça veut dire qu'on a essayé de traiter de la même façon et qu'on a payé... On va payer l'eau, l'électricité, pourquoi, pourquoi, je ne pense rien, de chaque local de société de chasse. Il y a des endroits où c'était déjà fait, et d'autres endroits où c'était pas fait. Donc pour donner la même subvention à tout le monde, on va payer à tout le monde la même chose. Je rappelle d'ailleurs que là, chaque commune déléguée a pu garder sa société de chasse, c'est un engagement qu'on a pris, alors que la loi prévoit expressément qu'il n'y a qu'une société de chasse par commune. Elle est en train de changer, la loi. Oui, mais je sais, parce que j'ai le nom d'affaires en général, je suis le maire délégué, mais elle n'a pas changé en dépit de vos affirmations. Elle est en train de... Voilà, vous en avez des chances, vous devez savoir des choses.
mais elle n'a pas changé puisqu'elle n'avait pas voté. Donc, on regarde, mais on en est là. Donc, je ne manquerai pas de vous indiquer quand elle changera. D'autres questions ? Oui, on est oui. Toujours sur les subventions sociales. Je note que, et d'ailleurs, il y a un match ce soir, c'est-à-dire oui. Que la Pologne gagnera. Donc, c'est tout à fait personnel. Oui, c'est tout à fait personnel. Je note que Rimpongoussout a une subvention et en plus une subvention pour le transport. Avec le basket qui a la subvention, la SPDT qui a une subvention à peu près similaire, par contre n'a pas de subvention pour le transport. Comment oui, je crois que c'est une raison qui s'explique assez facilement. L'association SPDT Basket regroupe que des gens de la commune de Lédé. Et n'a pas de transport puisqu'il joue à Thierry-les-Bourgs. Alors que le football a des transports parce qu'il joue avec un club de la Loire. Oui, le basket de Tizi, vous dites qu'il joue que. Non, ils n'ont pas plusieurs sites. Ils ont pas plusieurs sites. Ah oui, d'accord. Ils jouent avec lui, non, mais bien sûr qu'il y a des matchs à l'extérieur. Oui, mais c'est pas fait pour ça, c'est fait parce que. Par exemple, il y a des gens de Rigny, je ne sais pas où, exactement. Saint-Jean, qui viennent jouer, et il y a des équipes qui vont jouer là-bas. Vous avez la parole. Voilà la raison. D'accord. J'ai encore une question sur le basket, le Marc d'Or. Oui. Qu'est-ce que j'ai noté ? Les gens de Marc d'Or. HDB. Ou plutôt avec cours. Oui, voilà, donc on leur donne 1 000 euros. Est-ce qu'on s'est harmonisé avec. Parce que je suppose que s'ils nous demandent une subvention, ils vont demander une subvention à cours. Ah ben. Non, mais cette subvention de 1 000 euros, c'est celle que donnait la commune de Marneux quand on n'avait pas la commune de Marneux. Donc on a gardé le niveau d'accord. Atteint par la commune de Marneux. Oui, il n'y a pas de. Il y a peut-être d'ailleurs, j'en sais rien du tout, peut-être des gens de Marneux qui jouent dans la STBT et des gens de Marneux ou de Tizi qui jouent à court. Ça devrait bien arriver de temps en temps, j'en sais rien. Voilà. Après, tout ça est compliqué comme tout. Hein, et le principal souci du club de foot, c'est de retrouver un entraîneur. Pour les jeunes. Ah oui, c'est ça. Et parce que l'entraîneur a réussi à l'examen, et va aller jouer dans notre grand club. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé. On va voir. Salut, puis, je voulais ajouter quelque chose. D'autres questions, d'autres interventions ? Juste sur la gym qui s'adresse à ce moment-ci. On est en train d'essayer aussi on va faire de bons travaux dans le gymnase. De Bortizy, qui était un peu attribué à l'association des enfants de la Trembouze, mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à changer, chauffage, la toiture. Oui, l'étanchéité de la toiture. Voilà, donc on est bien un bâtiment communal, c'était comme tous les bâtiments communaux, avec les qualités et donc, et comme on est en train de revoir, M. Dupuy vous présentera une autre séance, tous les appareils de gymnastique nécessaires, comme on est en train de faire pour tous les jeux d'enfants, un inventaire général, et que l'on fera un rapport sur ce point. D'autres questions, d'autres interventions ? Quels sont ceux qui sont d'avis d'adopter les propositions de M. Larger ? Adopter à l'unanimité.